On y va? Allez, au taquet. C'est bizarre de parler à un autre. Ouais. Allez, par contre, maintenant tu fais avec. Voilà, il a compris. Allez. On va réveiller les voisins. Le son est bon, on dit le cadrage aussi. Ok, allez, c'est parti. Ah, ça c'est le train. J'espère que le son c'est bon. On inspire. Et on souffle. Pense à dépouiller ses coudes et les épaules.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de toucher ça. Regarde. Ça, c'est pas bon. Relâche tes épaules. Ne tends pas les mains comme ça. Déroule tes articulations. Ok? Allez, single. Alors, avec les bouteilles d'eau, je vous l'accorde, c'est peut-être pas évident. Vous pouvez les prendre dans l'autre sens, sinon, vers le bas, ce sera peut-être plus facile avec les bouteilles d'eau. Ok? On roule un petit peu. Élévation frontale. On y va, devant. Et, allez. Monte, sors la poitrine. Monte doucement. Bloc en haut. Un petit peu plus haut que la poitrine. Coude verrouillée. Et petit. Je pense à changer, respirer. C'est un échauffement. Ok? Allez, on va pas trop souffrir. Petite élévation. Lâche et single. Allez, un petit peu de rythme. Passe, descend. Monte, descend. Monte, descend. Ouais. Super. Allez, sur la poitrine, on fléchit les coudes. On tourne les bras. Vous avez une bouteille d'eau, vous n'en prenez qu'une en main. Et on fait des petites élévations vers l'arrière pour les fesses. Regarde. Tu peux prendre une seule bouteille d'eau pour faire ça. Ok? Je me mets à genoux pour que tout va mieux. On a fait les bras, on va échauffer les jambes. Vous posez les haltères. Relâche un petit peu ses bras. Position squat. On descend doucement. On va faire un squat écart. Savoir qu'on va le travailler après. Ok? Je descends doucement. Les genoux bien au-dessus des orteils. Je remonte sur deux. Un, deux. Quand je remonte, je verrouille mon bassin. Descends doucement. Bloc en bas. Serre. Là, on est dur. On est bien sur ses appuis. Comme si je voulais écarter le sol. Et single. Allez. C'est toujours les choses. Ça glisse. Ok. On ne fait pas ça quand on remonte. On verrouille. Ok? Vous allez rester en bas. Petit. Allez, j'appuie fort. Voilà. Ça ne doit pas faire mal. On est à l'échauffement. On se redresse, le dos bien droit. On va toucher cheville. Allez. Pense à rentrer bien ton ventre. Félicite aussi ses abdos. Allez. Descends. Tu vas toucher l'intérieur de la cheville. Single. Don't calm down. Yeah. Don't stop caring about me. Allez. Walk away. You know how. Ouais, on est bien. Don't stop caring about me. Yeah. On resserre un petit peu pour passer en squat. Pieds parallèles. Orteils légèrement ouverts. Genoux bien au-dessus des orteils. Recule ses fesses, le pied en bas.
Ben, je fais aussi la croix ici. Hein. Ça ne change pas. Hein. Evelyne, arrête de bavarder avec Marty. Hélène. Les blocs. Tu vois sur les commentaires? Non, je ne les vois pas. C'est pour rigoler. Relâche. Abdominaux, on se met au sol. C'est parti. Vous me voyez? Ouais. Position crunch. Jambes fléchies. Le menton décollé de la poitrine. On monte. Sur deux. Un, deux. Et tu viens décoller les omoplates. Front vers le ciel. Vers le On ne tire pas ici. Bravo. Relâche. Là. C'est ça qui travaille. Petit. J'en fais à souffler sur les corps. Pause. On va partir. On alterne. Sur genou opposé. Décolle. Toujours sur le même plat. On part un peu de rythme. Troisième. Tu dois tourner à chaque fois. Voir ton côté. Opposé. Relâche. Montez genoux sur poitrine de temps. Un, deux, pareil. C'est la contraction abdominale qui fait décoller le popotin du sol. C'est pas en prenant un méga élan. Allez. Serre les abdos, ça monte. Décolle bien, les omoplates. Petit. Allez, on va chercher ses chevilles. Ça commence un petit peu à brûler là. Allez, on cherche le plus loin possible. Allez, souffle. Alors, qui nous a rejoint là? Evelyne, je suis prête. Ah, Naïs n'arrive pas à voir la vidéo. Ah, bah alors, qu'est-ce qu'il se passe? Caro, salut Caroline. Ah, il y a Clovis. Ah,
Il y a Marjo aussi, bien. Ouais, il y a Marjo. Salut Aude. Salut Christelle. Oh, il y a Mégane. Yeah, c'est bien. Ça marche nickel. Laurent, tout roule. Ah, il y a Laurent. La voisine. Ah, il y a Laurent. C'est au taquet. Ah, c'est bon. Top, top. Maintenant, on va avoir un tout petit peu plus mal. Hein, parce que vous savez que l'échauffement, je dis qu'on n'a jamais mal, mais je sais que vous avez un petit peu mal. Donc, maintenant, on enchaîne. Ça. Donc, pour le premier exercice, j'ai un peu de musique après, moins fort. OK? Hop. J'ai pris un petit cours. Je vous dis pas ce qu'il y a dessus. Hein. On y va. On va faire. J'explique et après, on y va. Tout simplement, je recule un peu là. Hop. Nous allons faire des montées de genoux. Quand je monte le genou, je ne suis pas toute relâchée. Là, je rentre mon ventre, je monte le genou. C'est le genou qui monte, c'est pas le dos qui se baisse. 20 montées de genoux basiques. Ensuite, on coupe le ras. Montée de genoux, descente en squat. Montée de genoux, descente en squat. À chaque fois, pensez à bien descendre. Si vous avez mal, vous avez l'amplitude, mais on ne s'arrête pas. Et la troisième série qu'on ne s'arrêtera pas, qu'on enchaînera, ça va être là, squat, sauter. Squat, sauter. Quand vous sautez, je vais voir le petit pied qui se décolle. Enfin, je veux voir, façon de parler. Hein. Ok? Je vais juste reculer un peu. On y va? Je mets de la musique, mais un petit peu moins fort. Alors. Touloulout. Ma sœur a dit qu'elle a déjà mal. Tata? Ouais. Tata, elle a fait un message sur le téléphone ou sur les commentaires? Allez, on y va. Hein? Sur le téléphone. C'est parti. Vous entendez toujours là? Vous voyez? On y va. 20 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gardez bien ici le bassin dans l'axe de face. Purée, j'ai pas mes compteurs quand je parle. Allez, France, retour. On en a combien? C'est ma compteuse. On va dire qu'on en a 20. On y va avec le squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, je veux bien. Je vais s'y prendre comme ça, je peux parler. Ok? Hop. Yes. Allez, encore 10. Pensez à souffler, n'oubliez pas qu'il y a les squats, sauter après. Si vous ne voulez pas sauter après, vous les faites comme on les fait là. Ok? C'est juste pour faire monter un peu le cardio. Allez, 8 souffles. 8. On enchaîne tout de suite avec les sautés. Et 1. Et 2. Je vais faire en haut, en bas. Je vais reculer un peu. Prenez les haltères. Comme dit. Pour ceux qui n'étaient pas là, je peux vous faire livrer des haltères si vous êtes dans le coin de Sainte-Croix. Vous nous faites un petit mail à moi ou à Greg et on vous les dépose dans la semaine. Allez.
ramène devant. Là, on travaille comme ça. Bec et épaules. Et je descends. On en fait 10. Et on enchaînera avec des montées. Triceps. 10. Hop. Et on fera 3 tours. 10 rotations, 10 élévations arrière triceps. 3 tours. C'est parti. On est bon. Monte. Hop. Là, c'est pas une course. Je dois sentir ce que je fais. J'ai toujours le ventre rentré. Les pieds bien ancrés dans le sol. Ok. Je monte par les coudes. Je ne contracte pas trop le haut des épaules. Pas comme ça. Relâche. Ok. On lisse comme tu peux. Je parle du coup. Combien il y en a? Je glisse, non, la glisse ici. Voilà. On en refait 2. Allez, ça le sollicite bien les bras. Vous savez que les bras, c'est important. Sinon, c'est tout moche. Et ça prend douille. On y va, on monte. Triceps. Et 1. J'insiste, triceps, vous devez coller vos avant-bras aux oreilles. Sinon, ça ne sert à rien. Là, regarde. Ça doit vraiment être fait serré. Et je ne descends pas trop bas derrière. Ok? Et de face. Là, je veux que tu serres. 10. On y va, on redescend. Amorti. Et on repart. Vous voyez peut-être mieux si je suis à genoux. C'est parti. 3 tours. Hein, donc, c'est le deuxième tour. Allez, c'est le seul exercice où je vous embête avec les bras ce soir. Donc, s'il vous plaît, on s'applique. Hop, serre. Tac, tac, rotation, regarde. Voilà. Prends ton ombre. Ne relâche pas. Je crois qu'avec des petites bouteilles d'un litre, ça suffirait. Hein. Moi, j'ai du 2 kilos. Vous pouvez prendre du 1 kilo. Ça suffit, d'accord? Sinon après, si c'est pour relâcher au bout du quatrième, c'est pas la peine. Je préfère que vous preniez 1 kilo. Ça suffit. Oui. Allez, pour 2 là. 9. Hop. Allez, allez. On est dur dans les bras. C'est dans la tête. C'est parti. Et 1. 1. Allez, je sais que vous en avez marre, mais c'est maintenant que c'est utile. Maintenant là, on y va. Et 2. Pensez à vous. Soufflez quand vous montez. Ok? Allez. Chut. Tac. Tac. Allez, allez, allez. Tac. Serre. Paf. Allez, quand vous montez, là, sortez bien les omoplates. Poids des vos dorsaux. Là. Paf. Sortez la poitrine. Et aide-toi tes abdos quand tu montes. Tu vas compter. Ça dit au pif. Les élèves auraient dit 10. Hein. Allez, 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 allez. Hop. On y va. C'est le dernier. Allez, vous pouvez le faire. Il n'y a pas que les fesses et les cuisses dans la vie. On y va, on monte. Et 1, 2, 3, 4, ça veut dire 6 pour les bras. 5, 6, 7, 8, 9, serre tes avant-bras. Là, j'en vois comme ça. Oui, oui, je vous vois. Et on tient, tient, tient. Et on relâche. Vous êtes tranquille avec les bras. Allez.
On est à peu près échauffé, on passe. On a fait la première, la seconde, on passe la troisième. On peut mettre nos petits lestos de cheville. Ceux qui en ont, non, c'est pas grave. Vous vous sentirez quand même, je vous rassure. Donc, je les mets. Moi, je suis pieds nus. Alors, de temps en temps, c'est bien de travailler pieds nus. Hein. Vous avez plus de sensations au niveau musculaire. C'est pas toujours faisable, mais quand c'est faisable, faites-le. Hein. Alors, ça aide. On y va. Je vois un petit coup. On s'aboie. J'ai exprès pris une gourde pas transparente, comme ça je peux voir ce que je veux. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. On y va. Allez, ça va piquer les cuisses. Position squat écart. Donc, squat écart, c'est pieds ouverts bien plus que la largeur du bassin avec les petits orteils qui vont vers l'extérieur. Ok ? Ça dépendra aussi de votre souplesse de hanche. D'accord ? Un squat écart, on a les fesses bien en bas. On est ouvert. On va commencer par faire 20 squats. C'est tout. Okay. Ensuite, la position squat, on fera 20 pointés. Okay. Là, ça bouge pas. Regarde. Hop. Tu fais pas ça. Okay. Tu fais ça. Je reste fléchi. 20. Vous prenez ces positions des parcours. Pointe de pied, relevé, et 20 départs course, battement. Je reviens et puis je changerai de côté. Ça va un peu péter les jambes, mais tenez. On y va, relâche. Essentiel, c'est d'être sur la pointe de pied. Vous avez le quadriceps au-dessus là, du genou qui est en feu. C'est ça qui marche. Ok ? C'est bon, on a relâché un peu ? On reste ? C'est parti, attention. On y va. 1, 2, 3, bouge pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. La fesse est bien contractée à l'arrière, on le sent.
7, 8, 9, 20. Je lance un autre pas, regarde. Hop, 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 hop. Demi-tour. Sur trois de pied. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Pense à souffler. Allez, allez. Tiens. 16, 17, 18, 20. On revient et on décompresse un petit peu. Fais les squats. J'accélère un peu le rythme parce que j'ai prévu des exercices. Voilà, ça va. Ça va toujours? La foule est en délire. On relâche. Ok. Ça va? Ah, les 43. Je me sens bien. Je me sens motivée. Allez. On se met à quatre pattes. Alors. J'aime pas comme ça. Give me another second to. À quatre pattes. Votre rentrée, on a fait un truc amplé. Membrez le rentrée. À quatre pattes. Okay. Les bras à la verticale. Pour l'instant, c'est très simple. On va travailler les dorsaux, les abdos, les fessiers. On va faire un monté à jambes en opposition. Okay. Si vous creusez le dos, faites-moi plutôt un dos rond. Je préfère un dos rond que trop cambré. Ça sert à rien de monter la jambe là, ça sert à rien. Okay. Et ensuite, on recommence avec du maintien derrière. Vous me suivez? Allez, 1, 2, allonge. 3, je veux que tu t'étires au maximum. 5, 6, 7, 8, 9, allonge-toi. 10, tu dois vraiment sentir ce que tu fais. Toujours au niveau du ventre. Ok? Allez. Allez. Ok. Pour accentuer, j'aimerais que vous fassiez un pied flex, vraiment flex, pour tirer au maximum et s'allonger. Ok? À chaque fois que vous vous étirez, rentrez le ventre, essayez de bloquer un peu et hop, on change. On met la même chose, on va mettre du maintien maintenant. C'est parti. On y va. Et 1, 2, 3. Allez, pied flex. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, tu dois tout sentir dans la jambe, le dos, allez, et tu bloques. Donc là, pour tenir, si on veut être stable, il faut être gainé. Si vous déséquilibrez, c'est un manque de contraction et de gainage. Tu dois aussi sentir là, il se passe quelque chose. Ok? Change de côté et bloque. Ça va toujours? Pas 12 voix vous a manqué. C'est mes voisins qui sont. Allez. Ça va, on tient? Facile, hein? Hyper facile. Et on rechange. Hop. L'âme sous le feu pour faire le pas. Celles et les voilà. Sont là. Ah, les jambes en opposition. Tu verras, je suis pas prête pour te décevoir. Je sais bien, ça pourrait prendre des années pour rien. Je voudrais vraiment que tu sais pour la dernière.
Allonge-toi. Et on change. Allonge. Alors, soit tu regardes tes mains un peu plus souvent, mais on ne tire pas sur la lumière. Allonge. Allez, tire un peu, tire un peu, penche-toi. Et relâche. Ah, c'est très bien. Ok, vous allez juste relâcher un peu vos poignets. Parce qu'on va se remettre en position de planche. Cette fois-ci sur les mains et sur les pieds. Tu regardes. D'abord, 30 secondes de planche. C'est quoi le Sylvester? C'est pas du yoga, c'est une planche. Les fesses serrées, tout est aligné. 30 secondes de maintien. Ensuite, viens ici. La main vient toucher l'épaule en opposition. Okay. Et on fait pas un tortillon comme ça. Ça, c'est un planche. Ok? Et on enchaînera avec 20 touchés genoux au sol. Hein? Ça, c'est un très bon exercice pour les abdos profonds, pour le dos. Je viens frôler le sol avec le genou. Ok? 30 secondes de maintien. 20, c'est parti. C'est parti, on y va. Alors, attendez, je prends un coup. Vous pouvez quand même déjà vous mettre. Allez, on y va. C'est parti, je bloque. Allez. 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 Regarde en même temps. Merci, merci. Alors, les 30 secondes fitness... C'est toujours des longues secondes. C'est plus long que les secondes de massage. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Allez, ça gigote pas trop. 17, 18, 19, 20. C'est parti. 1, de là, tu vas sentir tes abdos. 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, rentre ton nombril. 9, 10, et c'est la dédicace à Mani. Rentre ton nombril. Allez. Si vous avez mal un peu au bras, c'est normal. Allez, allez. Tu vas monter. Et... Oh, voilà. Ah non, on est dans les temps, ça c'est des exercices que vous pouvez facilement reproduire chez vous. Okay, on va se mettre sur le dos. Salut, relever les fesses. Là, avec les lestes, ça va faire mal. On y va. Pousse la vista. Voilà, mon cas. Travail de fessier mais également d'abdos. Voyez là, ouais. Allongé sur le dos. Profitez-en, ça va pas durer. Regarde. 20 fois, je viens plaquer mon bassin le plus haut possible vers le ciel. Tes fesses là, ça doit être du béton. Ok. Si tu me fais comme ça tout mou, ça sert à rien. Okay. Pousse. Là, vers le ciel. Jusque là, c'est facile. Okay. Ensuite, on tient. Et ensuite, on fait des petits hops. Petits. Et ensuite, pour forcer un peu l'exercice, on va bien sûr faire ça sur un pied et sur l'autre. Ok? Vous allez voir, la jambe va être très lourde au bout d'un moment. C'est parti, on y va. 1, inspire en descendant, souffle en montant. Quand tu descends, tu ne dois pas t'écraser comme un sac de pommes de terre.
S'il te plaît, tu amortis la descente. Montez. Amortis ta descente. Pousse. Amortis la descente. Pousse. Tu vois la différence? Il y a un petit rythme à donner. Changement de rythme. Vous connaissez. D'accord? Ralentis la descente. Dynamique la montée. Ralentis la descente. Dynamique la montée. Ok? Je ne vais pas compter, donc. On en fait quoi? Allez. Pousse. Comptez vite. 6, 7, 8, 9, 10. Change de jambe. On y va tout de suite. 1 et 2 et 3. On n'a plus de musique. 4, 5. Faut que tu remettes la musique. 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 11, 12, 14. 15, oh non, je vais faire 16, 17, voilà, suivante. 18, on a déjà eu celle-là, non? 19, bloc, ah, celle-là, je l'ai déjà eu, donne. Allez, allez, on tient, c'est pas grave, jusqu'à ce qu'on ait la bonne musique, on tient. Et vous sentez aussi là, ça contracte. On rajoute des petits. Oh, allez, pour le fun, je suis en forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vous aimez pas quand je suis en forme. Super. Relâche un petit peu tes gambettes. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Relâche. Ouais. Ok. Nickel. Vous allez voir. À la fin, j'ai une petite surprise. Là, il reste un exercice. Une petite surprise, un petit challenge. Et après, on a le droit de s'étirer. Si vous êtes sage. Bravo. On va faire une petite série de pompes. Oui. Ce qu'il faudra, mais là j'ai utilisé mon tabouret comme support pour l'ordi. Prochain cours, prévoyez soit un petit step comme ça pour qu'on puisse faire des dips, soit un tabouret. Ok. Oui, mais là on va pas faire de dips. Là ça va être très simple. On va juste faire une petite série de pompes pour repasser un petit peu sur le haut du corps. Ok? Il y a 300 de pompes, hein, pour ceux qui ne viennent pas à mes cours. Très écarté, prise large, travail des pecs essentiellement. Écart largeur des épaules, doigts légèrement vers l'extérieur. On descend droit, travail des épaules. Bras très serrés, on les descend ici près du ventre. Et on est en travail des triceps. Je vais vous demander 10 pompes de chaque à votre rythme. J'ai toujours mes petits problèmes d'épaule. Faites-les sur les genoux. Si vraiment vous êtes en forme, sur les pieds. Mais ça fait quand même lourd si vous n'avez pas l'habitude. Alors voilà, Maurice va vous montrer. Moi, j'en fais un petit peu parce que j'ai vraiment mal aux épaules.
une planche. Après, il le fait très bien. Donc, vous en faites 10 hein, seulement. 10, ça ira. D'accord ? Plus la prise est large, plus c'est facile, normalement. Ok ? Allez, ça, c'est pompe épaule. Moi, c'est justement aux épaules que j'ai mal. Je vais l'accompagner en pompe triceps. Allez, 10. Il les fait vite, hein. Vous avez le droit de souffler. Attends. Relâche. Vous avez le droit de souffler entre les séries. Ok ? Sinon, c'est un peu rapide. Donc là, on va passer en pompe triceps. On peut se mettre de face. Non, je vais plutôt me mettre de profil pour que vous voyez bien les coudes. Ok ? Moi, je l'ai fait par exemple sur les genoux. Ok ? Non, mais vous ne savez pas. Un petit peu. Deux, ils sont plus difficiles. Trois. Quatre. Cinq. Voilà l'épaule. Six. Aïe. Sept. Huit. Et 10. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez le faire des élévations avec des haltères. Et puis 10. Là, moi, je me suis donné. Va bien. Bien. Ok. Petite musique de plage. Et on a le décor qui va avec. Alors. Toujours en forme, c'est bien, je ne peux pas voir, mais je suis sûre que vous êtes au taquet. Donc, moi, je vous le dis, maintenant, on va faire un petit... Ah, il y a Doris. Ceux qui connaissent, franchement, je pense que vous allez aimer, mais vous connaissez, c'est un petit Bring Sally Up Challenge. Oui. Seulement que le Bring Sally Up Challenge, on ne va pas le faire avec les squats ou avec les gainages, parce qu'on a déjà travaillé pas mal en position gainage. Donc, on va faire... Mais on va toujours travailler les abdos. Mais pas position gainage. C'est très simple pour ceux qui connaissent pas. Vous allez vite comprendre le concept. Ça fait bring Sally up, on est en position haute. Bring Sally down, on est forcément en position basse. Et c'est valable pour n'importe quel exercice en fitness. Donc nous, on va mettre les mains un petit peu sous les fesses. Ouais. Bring Sally up, ce sera ça. Et bring Sally down, ce sera ça. Oh ouais, trop vous allez voir, c'est hyper efficace. Par contre, vous posez la tête au sol et vous me verrouillez le dos. Moi qui suis hyper cambrée, vous allez voir vers la fin, moi je vais un petit peu fléchir mes genoux parce que sinon j'ai plus les lombaires collés au sol et ça fait mal. Vous avez le droit de le faire aussi en fléchi, d'accord ? Mais pensez toujours à verrouiller les lombaires. Vous allez voir, c'est 3 minutes. Je compte sur vous, faites-le correctement. Je mets la musique en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. C'est tout. Il n'y a pas plus simple. On y va. Tararat. Donc, je la retrouve. Je vais pas trop parler. Vous allez vite comprendre. Attendez, je remets. On recommence. Allez. Et on tient. Oh, j'ai laissé mes lestes. Allez, je commence à monter. Allez, dynamique, tu vas monter, hein. Je vous dis pas combien de temps ça dure, sinon vous allez partir. C'est un challenge très très connu, hein. Thank you.
De séance, on s'en fera un en variant les plaisirs. Ouh, dis donc, oh, ouais, c'est horrible le truc. Nickel, Chrome. C'est trop mal maintenant. Voilà, donc c'est bien. Si Chloé ça a mal, c'est que ça a bossé quand même un minimum. Allez, mais bon, il souffre, hein, faut pas croire. Ah. Une petite chanson pour s'étirer. Oh non, c'est tiré. Et je vous laisse. Mais si, donc là, enlevez vos lestes, hein. Ce sera quand même un petit peu plus agréable. Si vous les avez laissés pendant le Bring Sally Up Challenge, bravo. Parce que quand même, ça pique un peu, hein. Ça pique un peu. Un peu. Ouais. Un peu. Bah oui. Non, beaucoup. Allez, on s'étire. Laisse un peu, asseyez-vous. Ouais. Et on va se relâcher. Reste quand même le dos droit. Alors, ça a transpiré un peu ou pas? Voilà. On est bon, on est bon. On va écarter un petit peu. Ah non, relâche. Allez, inspire. Et ensuite. Petits étirements. Bien. Pas pour gagner en souplesse, hein, mais juste pour s'étirer. Réoxygéner un peu les muscles. C'est bon. Et voilà pour faire les grands écarts. Inspirez. Tire loin derrière pour étirer les pecs. Inspire, grandir. Étire les triceps. On appuie avec la main là, coude vers le bas. Se redresse. Allez, ça tire. On garde toujours le buste bien dégagé, ventre. Et on s'étire. Encore une fois, inspire. Tirez les pecs, ouvrez tes doigts. Épaules, tire les vers le cou, vers toi, vers la poitrine. Non, comme ça, ça passe. Dans l'autre côté. Ah, les garçons. Ah, l'autre côté. Allez. Sentir ce qu'on fait. On n'aurait même pas de courbature de main. Va peut-être un peu comme une petite lente. Voilà. On attrape ici le pied. On va essayer de décoller le talon. On enfonce le genou dans le sol.
Et on fait l'autre côté. Donc n'hésitez pas, je le répète, si vous avez besoin de matériel, vous nous demandez, on va cambrioler la SSE. Non mais moi aussi je suis allée chercher du matos pour m'entraîner un peu. N'hésitez pas, hein. Vous nous faites signe. Comme ça on va travailler bien jusqu'à la fin de l'année si jamais on reprend pas. Et si on aura l'occasion de reprendre, on reprendra. Et cet été, séance en extérieur. Hein. Ok. On croise, on va tirer un petit peu la fesse. Amène bien le genou vers toi et grandis-toi. Plus tu grandis, plus ça tire sur la fesse. Allez, tire. Garde la même jambe, on met le talon à la fesse et on va pousser le bassin. Alors, c'est pas la peine de descendre là. Ce qu'on veut, c'est ça. Plus tu vas pousser vers l'avant, plus on va tirer sur le quadriceps. Allez, voilà. Inspirez, souffle. Ok, super. Tu relâches. Même chose, l'autre jambe. Tu prends, tu croises. Vraiment. Allez, inspire. Un petit check. Ah, il y a du jour, il y a un moment qui fait des... Ah, et comme il est 8h, vous allez applaudir pour le cours, pour les efforts, et vous allez aussi applaudir pour le personnel soignant, comme on le fait tous les soirs. Allez, bravo à vous. Bravo, bravo. Eh, je suis super contente, vous avez bien travaillé. Enfin, je suis sûre que oui. Et si vous étiez en train de me regarder de picoler, attention, ça va barder. Je vais dire. Dans notre quartier, ça applaudit. Allez. Oh, il y a Aurélien. Aurélien, tu regardais manger un cordon bleu. Ah, l'enfoiré. Aurélien, fais gaffe. Bon. Ouais. C'est qui? C'est qui? Ah, merci. Ah, voilà, les voisins ont fait le coup, ils applaudissent. Et voilà, c'est top. Hein. Merci, hein. Ça a été? Ouais. Bon, je vous dis à la semaine mercredi prochain, obligé. Laissez-moi vos commentaires.